Chers téléspectateurs et amis, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Jeudi, en ce mercredi, c'est un réel plaisir que nous ensemble. Merci à tout le monde qui est déjà là. Nous allons entrer tout de suite dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde. Si c'était pour la première fois qu'on trouve HPM, nous encourageons autant pour venir aux membres. En bas là, il y a un petit bouton rouge qui marque subscribe, en cliquant sur lui-même. À côté, il y a une petite cloche qui apparaît. Choisis cette cloche là, afin que chaque fois de monter, vous puissiez recevoir une notification. Eh bien, hier mardi, il y a eu une grosse réunion qui était faite ici aux États-Unis. C'est une réunion côté où tu as parlé des gros problèmes qui campaient devant les États-Unis qu'on y a là. Top général des États-Unis, Monsieur Asper, Monsieur fait une déclaration. Il dit comme ça que quel que soit le monde qui a gagné l'élection en novembre, que c'est Trump, que c'est Biden, et on sait des gros problèmes, gros menaces que les États-Unis ont devant là. Eh bien, président ça a pas le besoin pour prendre soin des problèmes ça yo. Parce que c'est pas petit problème que yo yé. Jean que le parler sont série de problèmes qui affectaient directement sécurité nationale. Il fait comprendre, dans un moment, ça n'a pas parlé là. Les États-Unis sont très vulnérables à cause d'un pile erreur qui fait dans le leadership. Et maintenant, nous besoin de travailler avec un pile précision pour nous capables d'épargner la catastrophe selon lui-même qui est capable de faire. Le général a déclaré que, premièrement, les États-Unis laissent la Russie prendre une grande partie et jouer un rôle extraordinaire dans le monde. Ils occupent une série de côtés que c'est les États-Unis qui ont occupé. Et à cause de ça, ils permettent que les États-Unis manquent de contrôle pour sécuriser Homeland. Deuxièmement, il fait comprendre que pendant nous gagnons à faire pandémique COVID-19, ça, la Chine profite de l'occasion ça aussi pour les faiblir force que les États-Unis gagnent et aussi accumuler un pile territoire et contrôler un pile pays pendant que nous-mêmes nous préoccupons dans l'affaire COVID-19. Il fait comprendre que la situation de Corée du Nord, avec l'affaire de nucléaires armes qui gagnent, ou bien soit des gens qui ont dit que Corée du Nord gagne, il dit ça, c'est un autre gros problème. Parce que le fait que les États-Unis mettent un cil, un saut sous Corée du Nord comme un pays qui gagne nucléaires armes, il vient rendre plus difficile pour négocier avec Kim Jong-un de Corée du Nord. Finalement, t'as un autre spy ou bien on sait des services secrets des États-Unis qui t'a baillé présentation pa yo. Je vais comprendre que selon ça que yo connaît, yo joignent que les États-Unis en bas président Trump caché ou bien couvri pour cacher on sait des bagages qui rivaient pendant 4 ans ça. Par exemple, il fait comprendre que une série de monde diplomate qui même mouri dans Cuba, dans la Russie et en Chine avec une série de maladies très mystérieux. Une série de bagailles qui était qu'on a passé longtemps et bagaille ça a recommencé encore côté que une série de maladies bizarres a attaqué une série de diplomates américains. Mais cependant, le président Donald Trump décide pour le couvrir et cacher bagaille ça yo qu'on y a là et bagaille ça yo a créé en pile problème pour sécurité des États-Unis. On a commencé avec situation la Russie. Selon ça que général fait comprendre. Je dis comme ça que parce que président Trump
ou bien gouvernement, hein, li pa agi trop difficile, trop dur avec la Russie. Li permet que la Russie prend contrôle de un pile côté de le Moyen-Orient. Signé un pile accord avec un pile l'autre pays derrière tout. Et ça vient permettre que les États-Unis commencent à perdre du pile derrière. Par exemple, Vladimir Poutine paraît devant les Nations Unies et lui fait une demande. Lui demande pour que les Nations Unies capable réunir ensemble avec un pile d'autres pays collectivement pour capable empêcher la guerre faite dans le Golfe là, ça veut dire dans le Moyen-Orient. Tout un pile d'autres pays accepté pour yo d'accord avec ça la Russie dit. Attendez bien, pour nous voir influence qui la Russie lui-même dit qu'on y a là dans stage international là. Il dit comme ça que l'État remet pour nous gagner une collective force ensemble pour nous empêcher guerre faite dans Moyen-Orient. Tout membre concile là accepté avec la Russie, except les États-Unis. Les États-Unis ont déclaré que c'est l'Iran qui est coupable là dans le Moyen-Orient. Il fait comprendre que pas de raison pour la Russie à demander bagaille ça qu'on y a là. Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis ont un propre plan pal dans gens pour le deal avec monde dans le Moyen-Orient. Il fait comprendre plan li, c'est pour permettre que tout pays qui derrière puisse créer une normale relation avec Israël. Selon les États-Unis, c'est celle ça qui problème non. S'il capable résoudre situation ça, s'il capable encourager ou bien bribe pays dans le Moyen-Orient pour entrer en relation avec Israël, eh bien selon les États-Unis, problème ça yo y a résoudre. Mais cependant, c'est pas comme ça que ni la Russie avec un pile l'autre pays ou elle. Mais pour qui ça que la Russie décide pour faire demande ça aux Nations Unies qu'on y a là? C'est parce qu'ils ont senti que les États-Unis perdu foot point li force li dans monde là. Ils connaissent ça. Et ils ont senti dans moment ça c'est pire bon moment pour décider puis commencer prendre contrôle d'air. Et si vous avez créé une alliance avec un pile d'autres pays, et la Russie c'est lui-même qui est en tête alliance ça pour créer paix dans le Moyen-Orient, eh bien nous avons un commencement de la fin de l'influence des États-Unis dans le Moyen-Orient. Même les travail pour faire ça qui nous relie en amitié avec un pile d'autres pays et Israël, mais le pape suffit pour que il est capable vraiment de ramasser toute influence qu'il a gagné avant le président Trump. Ça veut dire que qu'on y a là situation est difficile pour les États-Unis. Général a déclaré qui ça qu'il voulait faire. Il toujours parlé. Ça il voulait faire. Il dit à cause de influence que la Russie aussi gagné derrière là en Europe. Non seulement ça, gens que l'entrée dans Belarus, songez bien me te parler de situation de Belarus côté que peuple a prend la rue, il a manifesté, il a demandé pour président Loukachenko quitter pays. Mais Loukachenko, ça le fait, l'aller li livrer pays à by la Russie. Nous connaissons que peuple ça a déclaré, yo pap chita, yo pap gen la paix. Il n'y a pas de suspendre le marché, pas avant que le président Loukachenko lui-même lui avait de l'aller. Mais cependant, le président Vladimir Poutine, beaucoup de parle, il fait comprendre que lui-même, il est là. Il peut porter tout ce coup que Loukachenko a besoin pour le rester sous pouvoir. Pour qui ça? Parce que le pays Belarus lui-même, il est dans le même border avec. On se dit des pays l'Europe. Et la Russie, c'est tout plaisir pâle pour ta coller frotté avec pays ça. Et bien, c'est dans la même situation ça.
que général là dit que ça c'est un danger que lié. Et à cause que son danger que lié, les États-Unis doivent faire travail li konya là pour contrecarrer un balance pouvoir ça là. Qui ça que général dit le va le faire? Général déclaré que konya là ça va le faire. Yo pral commencer voyer une série de soldats en pile zam gen groupe qui rele 2e Calvary Regiment. Tout armé ça, yo pral voyer dans zone germanien pour capable contrecarrer pouvoir que la Russie gen derrière là. Nous songe les États-Unis te décidé, Trump spécialement te décidé pour te retirer 12 000 soldats qui était en Allemagne parce qu'il devait punir Angela Merkel parce qu'il pas très main politique mademoiselle. Eh bien, selon sa général l'a dit, Jean que le parle, il pas dit ça directement parce qu'il pas ta vle avec ses présidents, hein? Mais Jean que le dit bagay, elle a dit que il t'a encouragé pour nous ta laisser soldats ça là et pour nous avoir plus soldats toujours avec la avec ZAM dans Roumanie et dans Bulgarie. Parce qu'il dit comme ça que si nous pas voyer une série de soldats avec une série de zamber là pour contrecarrer la Russie, eh bien pays européen yo a en danger dans pouvoir la Russie gen derrière là. Ça veut dire konya là pendant que n'a parlé konya là mes amis. Situation des États-Unis, il pas un bagage qui normal. Parce que politique que Trump joue hein, eh bien, les causes en pile dommage à pays européens. Non seulement pays européens, mais aussi pouvoir que les États-Unis toujours jouer partout dans le monde. Et non seulement ça, bagay ça qui a parlé de côté que vous joignez, il y a un pile monde qui mourit dans Cuba. Il faut comprendre que selon ça que diplomate fait qu'on est, on sait des monde qui tombent malades, on sont cap jouer et son ça fait parfois monde ça y baisse en nain, y baisse en bouche et y baisse en oreille. Et selon ça que il fait qu'on est, ça arrive dans Cuba, arrive dans la Russie et arrive aussi en Chine. Yo dit son maladie mystérieux, pas gen personne qui connaît qui qualité maladie que lié malgré que fait président Trump connaît bagaille là. Mais Trump li pa fan rien pour capable compter carré ou bien chercher connait qui ça que lié. Nous songe bagay ça a commencé en 2016 parce qu'en 2016, te gen plusieurs officiels qui dit comme ça que était malade en Cuba et en Chine. Après que était venu senti que était malade de un bagay mystère, yo pa connait ça que lié. Il était fait étude et yo pa jambe dévoiler qui ça que lié. Lundi là que j'ai passé hein, et bien même bagay ça a commencé encore. En pile diplomat fait qu'on est que yo malade même la Russie côté que on sait des diplomates dans la Russie yo aussi malade CIA avec service secret yo joine que c'est une maladie drado que son attaque que lié que la Chine la Russie ensemble avec Cuba mettez ensemble pour faire sous soldats américains et cependant président des États-Unis hein, Monsieur Donald Trump lui-même, il décide pour couvrir ça afin que pour ne pas perdre l'influence qu'il gagne avec la Russie. Mes amis, ça pas bagaille. Parce que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis. Nous avons un gouvernement côté qui président, il plus soucié de propre personnel intérêt pâle que peuple là. Et qu'on y a là en situation ça, si on vient découvrir vraiment que c'est vrai, président fait travail ça vraiment vrai. Qui ça, il pas le fait. On nous dit que Trump t'a réélu président en novembre là. Pas grand rien qu'a fait, rien pas changé. Parce que c'est lui-même qui sous pouvoir, il gagne contrôle de toute l'armée, il gagne contrôle de toute information yo. C'est facile, il est capable de faire sûr. Que information va me sortir. En parlant de Corée du Nord, je vais connaître que parce que Trump décidé trois bonheurs pour la sceller et reconnaître Corée du Nord comme un pays qui a nucléaire armes, ça va venir rendre difficile pour capable négocier
avec le Nord. Parce que le Nord lui-même, l'a utilisé ZAM nan comme un point de bargain. Ça veut dire qu'on y a l'âme ZAM nucléaire nan même, ou un Corée du Sud qui tout prêt là avec soldats américains. Si nous pas bon ZAM besoin, c'est facile, nous capable engloutir ou bien craser zone ça. Et à cause de ça, ça le fait qu'on y a là lui-même, il gagne toute façon pour être capable de négocier et joindre ça qu'il voulait. C'est comme ça la situation est. Hier soir, Israël lui-même, il veut un missile sur une zone Syrie. Songez bien toujours qu'on a parlé de cette zone ça, il y a un petit monde là, Golan Heights, que Israël avec Syrie, tous deux pays ça, ils choisissent comme c'est pour eux lié. Eh bien, Israël dit c'est pour l'Ilié, Syrie dit c'est pour l'Ilié. Eh bien, hier soir là, Israël lance un missile attaque dans la zone. Nan. Heureusement, pas de monde, c'est une école qui a frappé. Mais là, ça pas de monde l'école dans la place là, donc pas de dommage, tu fais pas de monde qui mourit. Mais Israël complètement lance un missile dans la nuit et li frappé la zone ça et détruit une série de bagay qui était là, qui appartient à la Syrie. Comme nous sommes capables, mes amis, le monde tête en bas, la guerre devant derrière, et seulement leader qui a une bonne tête, qui comprend Jean-Pierre conduit le monde, capable d'empêcher que nous-mêmes tombions dans notre gros guerre sans sens dans le monde encore. Sur l'affaire de COVID-19, eh bien, nous songeons que la Russie a déclaré que vous avez gagné un remède, que vous avez joint un COVID-19 vaccin. Eh bien, semble pas travail, parce que quand y a là, ce n'est pas deux personnes qui ont mouru dans la Russie, ce n'est pas deux infections qui ont gagné, et vous avez dit un vaccin. Je dis en là, nous tendez que Venezuela a déclaré qu'il pourrait utiliser le vaccin ça, que la Russie a créé sur le peuple. Donc, en plus, le monde dit, ouais, pas de sens. Parce que si la Russie dit qu'elle crée un vaccin, la Kaili, augmentation de l'infection a continué, mon a mouru toujours. Donc, il n'y a pas de sens pour que Venezuela pour accepter prendre un vaccin qui est de la Russie. Mais quand même, c'est ça que le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro, a déclaré. Il dit qu'elle pourrait prendre un vaccin qu'il a réussi à mettre dehors pour commencer à utiliser ce peuple. Donc, moi, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez un bon après-midi. Nous à demain. Bye bye.